La problématique de la durée d'utilisation du gaz butane continue à faire couler de la salive. Pour les consommateurs, ce produit dont le prix a été revu à la hausse ne met plus du temps. Une bouteille de 12 kilos, par exemple, fait 3 semaines, voire un mois seulement. Pourtant, cette même bouteille pouvait faire 2 à 3 mois il y a quelques années. Dans le temps, la bouteille de gaz, ça faisait au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois à la maison. Mais actuellement, la bouteille de gaz, ça te fait deux semaines. 2 semaines, 1 semaine et demie, voire 3 semaines. Mais pour arriver à la 3e semaine, c'est très compliqué. Ce n'est pas la faute aux revendeurs. Mais c'est la faute. Depuis là, on charge la bouteille de gaz. Et il y a des bouteilles aussi qui sont mal chargées, très mal chargées, qui arrivent au dépôt. Mais le propriétaire du dépôt va faire quoi? Lui, il ne peut que vendre. Ce n'est pas lui qui charge. Hein? Et du coup, la bouteille de gaz était à 5 700. Là, ça devient à 6 300. Je ne sais pas. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de quoi. Mais le truc fait qu'augmenter. Nous, les citoyens congolais, on va faire comment? Et on va vivre comment? Les tenanciers des dépôts se disputent presque tous les jours avec les clients à cause de la quantité du produit qui d'ailleurs devait être résolu par la société Gepelsa lors du chargement depuis l'usine. Hors micro, quelques femmes ont dit que la mauvaise utilisation serait aussi l'une des causes de l'épuisement rapide du gaz butane, à l'instar des personnes qui laissent bouillir longtemps de l'eau sur le réchaud. Les consommateurs du gaz butane pensent qu'il serait mieux que les bouteilles passent à la pesée avant la livraison pour éviter les désagréments ici et là.